Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon concernant les leçons de la première année du cycle collégial. Alors le titre de cette leçon c'est « De produire le canevas du projet de classe ». Très bien. Alors prenons l'énoncé de projet. Alors produire, alors Julie, produire un récit court et simple d'une sortie ou d'une excursion ou d'un voyage ou d'une aventure et intégrer la description d'une personne, d'un lieu, d'un animal et d'un objet. Alors, si on prend cette consigne, alors nous avons deux choses essentielles, deux éléments intéressants. Alors, le premier élément, c'est le récit, c'est la narration. Et le deuxième élément, c'est la description. Nous allons voir dans le diapo suivant la différence entre les deux. Alors, dans ce deuxième semestre, vous allez voir deux choses essentielles. La production d'un récit court et simple, d'un voyage, d'une aventure, d'une sortie. Et deuxième élément essentiel, c'est la description d'une personne, la description d'un lieu, la description d'un animal et la description d'un objet. D'accord? Deux éléments essentiels. Le récit et la description. Vous allez rédiger un petit texte. Dans ce texte, vous allez raconter quelque chose et en même temps, vous allez décrire quelque chose. Alors maintenant, on va faire des propositions. Alors maintenant, on va faire des propositions à propos de la narration du récit. D'abord, on doit choisir le thème ou le type du récit. Alors, par exemple, on va choisir le récit d'une sortie, on va raconter un voyage, on va raconter notre aventure, un match, les souvenirs d'enfance, l'amitié, le courage. C'est-à-dire, on doit choisir quelque chose. Ensuite, alors maintenant, la description. Alors, la description, vous avez quatre choses. Vous avez la description d'un lieu. Alors, je vous propose par exemple une forêt, une classe, une école, un désir, un village, la cour, une maison, une cuisine, une salle de bain. Voilà, ce sont des lieux. Alors maintenant, je vous laisse la liberté de choisir parmi ces propositions. Aussi, au deuxième élément, vous avez la description d'un animal. Vous avez le cheval, vous avez un chat, vous avez un chien, un loup, un écureuil, une abeille, une poule, un coq, un corbeau, un renard, une chèvre, une brebis, un dindon, ainsi de suite. Ça, ce sont des propositions. Ensuite, vous avez la description d'une personne. Un professeur, par exemple, un élève, le directeur, le chevalier, l'acteur, le banquier, un combattant, un soldat, un chauffeur, un vendeur, un peintre. Là, dans cette partie, vous avez des personnes. Et vous allez faire une petite description. D'accord? C'est-à-dire le portrait physique, vestimentaire et moral. Ensuite, quatrième élément, c'est l'objet à décrire. Vous allez décrire un objet. Un livre, un coffret, une casquette, un parapluie, un cahier, une perle, voilà. Vous avez des centaines d'objets, des milliers d'objets que vous allez décrire. Alors, ce qu'il faut retenir, d'après cette leçon, c'est pendant le deuxième semestre, vous avez deux éléments essentiels. Vous avez le récit, c'est-à-dire vous allez raconter une histoire, soit d'un voyage, d'une aventure, d'une sortie, voilà. Et en même temps, y intégrer une description d'un lieu, c'est-à-dire vous allez décrire le lieu que tu as visité, d'une personne, c'est-à-dire vous allez décrire une personne que tu as rencontrée. Troisième élément, vous allez décrire un objet, par exemple, que tu as acheté, que tu as trouvé.
Et quatrième élément, vous allez décrire un animal que tu as vu pendant ce voyage ou cette sortie. Voilà. Et merci.